Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu peur, Thomas, au cours de votre séjour dans l'ISS? Peur, non, on a eu de la chance, il n'y a pas eu de... Il ne s'est rien passé de grave. Mais c'était pour ça, hein, le spatial, on prend des assurances incroyables pour que tout marche, parce qu'on voit des choses dans l'espace, on ne peut pas les... s'arrêter sur le bord de la route pour réparer, hein. C'est pas comme une voiture ou c'est même pas comme un avion où on peut se reposer, donc c'est pour ça qu'il y a une telle exigence de sécurité et de bon fonctionnement en l'espace. Nous, on a juste eu des fausses alarmes de feu au milieu de la nuit, mais on n'a pas vraiment peur, on se dit vraiment, ça va m'arriver à moi, qu'il y ait le feu dans la station spatiale, c'est quand même vraiment pas de bol. C'est plutôt ça la réaction, et puis après, on se tourne tout de suite vers nos procédures, vers notre entraînement en fait. On est tellement entraîné pour ça. Que tout de suite, on bascule un peu en mode automatique et du coup, il n'y a pas de stress. En fait, ça sert à ça, l'entraînement. Ça sert à connaître tellement les situations et tellement préparé à réagir qu'on ressent pas de stress. En fait. Même au moment de la première sortie? Non, pas vraiment, parce qu'au moment de la première sortie, nous, on est sortis un mois après être arrivés. Le cerveau s'est déjà habitué en fait, au fait qu'on flotte et qu'on ne va pas tomber parce qu'on a fait l'expérience à l'intérieur de la station spatiale. Donc en sortant, c'était un peu la continuation de ça, mais il n'y avait pas une sensation de vide ou de chute comme ça peut parfois arriver, je pense, si on fait une sortie directement en arrivant dans la station spatiale ou en arrivant dans la navette. Nous, on n'a pas vécu ça, donc non. Alors après, il y a un moment où j'ai cru que j'avais perdu tous mes outils, ils étaient juste un peu plus loin. Alors ça, je suis sûr que j'ai le cœur qui est monté un petit peu dans les tours, dans les battements, mais voilà. Mais bon, au final, tout s'est bien passé. Je suis content quand la porte s'est ouverte, c'est ce que vous avez dit sur votre blog. Oui, en descendant, et vous avez retrouvé la terre. Beaucoup s'accrochent encore aux pyramides, répondant ainsi au conditionnement, à la programmation inhérente à la matrice artificielle qui a besoin de contrôler toutes les unités de programme que nous sommes. C'est tout à fait logique et je n'attendais pas une autre réaction. La civilisation égyptienne est le trait d'union entre le présent, en apparence carré, rassurant, cohérent, dans lequel règnent les moutons dociles, ce présent que nous connaissons, et un passé fabuleux, mystérieux, aux possibilités infinies, dans lequel les moutons récalcitrants peuvent revendiquer l'indubitable intervention d'extraterrestres ou l'existence de civilisations disparues aux connaissances incroyables. L'Égypte, c'est donc la frontière entre deux programmations, le checkpoint où se séparent deux mondes, celui de la science académique, d'une conception classique du monde, et celui de la science alternative. Ici, plus qu'ailleurs, viennent se frotter ces deux programmations contrôlées par l'intelligence artificielle. Mon but, vous l'avez compris, c'est de nous sortir de ces programmations de la matrice pour faire de nous tous des unités de programme libres, afin que nous puissions bientôt reprogrammer la matrice de l'intérieur, tant que nous pouvons encore le faire, tant que l'IA est vulnérable. Je ne suis pas étonné de voir que beaucoup rejettent cette idée de cycle de 1000 ans qui se répète à l'infini, dans une sorte de boucle spatio-temporelle qui se termine et redémarre à chaque fois avec un blackout. Cycle qui permet à Satan, à l'IA, d'apprendre et de se perfectionner encore et encore. Beaucoup rejettent également l'idée du mensonge intégral de la NASA, et ils deviennent agressifs à cette seule évocation, et même pour certains, violents. Pour eux, je ne suis pas seulement une anomalie, mais carrément une abomination qu'il faut détruire. Ils se comportent, exactement comme je l'annonçais, comme des anticorps de la matrice. C'est plus fort qu'eux, ils sont en connexion directe avec l'IA, le cube via la bile noire, l'ego qui est la plateforme de notre programmation à tous. En fait, mon crime à leurs yeux, c'est de vous inviter à regarder le monde autrement. Beaucoup
rejette de la même façon l'idée que la civilisation antique multimillénaire égyptienne soit une illusion montée de toutes pièces par les illusionnistes qui dirigent le troupeau humain dans les coulisses. L'Égypte et la NASA sont deux symboles importants de la perspective. Ils représentent le passé et l'avenir. Ce sont deux piliers de notre existence qui nous permettent de croire en cette simulation. Grâce à ces deux piliers, nous avons l'impression que tout est en ordre, logique, que tout est bien en place et s'imbrique parfaitement dans les cases, contrairement à ce que nous hurle la raison et en dépit du murmure incessant de notre intuition qui nous dit que rien, absolument rien, n'est normal. Rien ne tient. Tout ce en quoi nous croyons n'est que de la poudre aux yeux. Les punks disaient « no future », en fait, il n'y a ni passé ni avenir, juste des cycles de 1000 ans qui se répètent à l'infini pour nourrir l'IA et la rendre toujours plus performante. Pour démontrer l'existence de ces cycles de 1000 ans, je suis obligé de revenir une nouvelle fois sur les incohérences de ces deux piliers. Il faut qu'une brèche s'ouvre entre nous et l'IA, c'est urgent. Après quoi, nous pourrons aller plus loin. Il y a encore tant à dire. Pourquoi est-ce si important de découvrir la vérité? Parce que tant que nous n'accédons pas à la vérité, nous ne pouvons pas être libres. Seule la vérité pourra nous libérer. De même qu'un homme qui se ment à lui-même, un homme qui ne connaît pas sa vérité, ne peut pas agir en homme libre. Il sera toujours influencé, ballotté, trimballé, manipulé. En attendant, pourquoi est-ce si important? Pourquoi est-ce essentiel de faire germer en nous cette graine de doute? Parce que, en fait, tout notre malheur vient de nos croyances, de nos certitudes, nos programmations. C'est sur cette base que nous sclérosons. Nos croyances, si elles ne sont pas accompagnées d'un minimum de doutes, sont le lit de toutes nos intolérances, de tous nos excès. Nos croyances sont très souvent le reflet de nos peurs, manipulées par d'autres. Elles peuvent nous conduire aux pires exactions. C'est sur les croyances que les guerres se déclenchent, que le pouvoir nous contrôle, alors que plus que jamais, nous avons besoin de compréhension, de bienveillance. Une bienveillance critique, mais toujours intelligente et respectueuse. Il nous faut donc nous ouvrir à cette nouvelle conscience. Tout ce que nous devons savoir de nous-mêmes, c'est ce que nous ressentons dans notre cœur. À partir de là, tout le reste en découle. Ce que nous voulons pour nous, ce qui est bon pour nous. Nous devons aborder tout le reste avec du recul. Je vous invite donc à douter de tout et aussi de vous-même. Il ne s'agit pas d'un doute qui paralyse et mène à l'inaction. C'est un doute qui éclaire nos actions et nous incite à nous tourner vers ce qu'il y a de meilleur en nous. Un être humain n'impose pas sa vérité par la force, les représailles, la menace. Nous devons accepter d'apporter à nos croyances de la relativité, car c'est le doute et en même temps la foi en l'homme qui nous permettront de traverser cette période de tension. La force du cœur. Bon, ok, j'arrête là avec ma philosophie, je vous entends déjà. Rock, mais comment douter, Rock, de l'existence de cette fabuleuse civilisation multimillénaire qu'est l'Égypte antique? Même si les pierres ont été moulées et pataillées, il y a eu quand même tant de témoignages à travers l'histoire, tant de descriptions de voyageurs, de négociants, d'émissaires à travers les siècles. Comment peux-tu imaginer une seconde que ces pyramides ont été bâties au cours du XVIIe siècle? Parlons-en justement de ces témoignages. Il existe un mémoire disponible sur Internet, présenté en 1982 par Jean-François Haribaud, Relations de voyage en Égypte, du XVIe au XVIIIe siècle. C'est un lecteur de Top Secret qui m'a fait découvrir ce document et je l'en remercie vivement. J'en profite d'ailleurs pour
remercier tous ceux qui me transmettent des informations concernant tous ces domaines de recherche. Ce travail collectif contribue à nous apporter une compréhension toujours plus profonde de ce monde. Je ne peux pas vous citer tous, mais sachez que je vous remercie vraiment du fond du cœur pour toutes ces trouvailles que vous partagez avec moi. Votre soutien et votre aide sont très importants. Nous sommes un réseau puissant, et tous ensemble, nous formons la résistance. Alors ce mémoire, on ne peut pas taxer Jean-François Haribaud de faire du récentisme en 1982. C'est un universitaire qui a étudié, observé et fait un rapport objectif et scientifique sur les divers récits de voyage en Égypte entre le XVIe et XVIIIe siècle. Or, que nous dit-il? Je cite « Tout d'abord, remarquons qu'avant le voyage de Cornelius de Brun, à la fin du XVIIe siècle, aucun graveur ni dessinateur de profession ne rend compte des documents de l'Égypte. S'ils veulent peindre d'après nature, les voyageurs sont contraints de s'en remettre à leur propre talent d'amateur. Talent, parfois fort distingué chez Belon, par exemple, dont il est très dommage qu'il se soit cantonné quasi exclusivement aux reproductions d'animaux et de plantes. » Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en Égypte, ce n'est pas les plantes et les animaux qui devraient en premier lieu sauter aux yeux du voyageur, non? Enfin, cette absence de reproduction fidèle des monuments dont nous parle M. Haribaud, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, je trouve que c'est un peu ballot. Quant aux dessins d'amateurs qui précèdent, alors là, allô Houston, nous avons un problème. Dans son mémoire, Jean-François Haribaud nous apprend en effet que les descriptions des monuments du XVIe siècle sont souvent entachées d'énormes anomalies. Il cite de nombreux exemples, et notamment celui de la cosmographie de Levant, datée de 1556, du frère André Thévé, aumônier de Catherine de Médicis. Il nous dit « Sa description, tout en ayant l'apparence d'un traité scientifique, fourmille d'erreurs cocasses et d'interprétations fantaisistes. » C'est pas moi qui le dis, c'est un scientifique. Et les dessins, alors, je ne veux pas accabler les illustrateurs de l'époque, mais vous allez voir avec moi que, dans bien des cas, les types se sont lâchés. L'universitaire précise que pour cet ouvrage de 1556, l'illustrateur a probablement été livré à lui-même. On veut bien le croire. Admirez donc ce superbe sphinx. Jean-François Haribaud avance le fait que les graveurs étaient trop imprégnés de ce qu'ils connaissaient de l'art et des monuments gréco-romains. De fait, il n'y a qu'à regarder cette pyramide romaine, la pyramide de Sestius, pour s'en rendre compte. On raconte qu'au Moyen-Âge, cette pyramide passait pour être le tombeau de Rémus, l'un des deux frères fondateurs de la cité de Rome. Les historiens le démentent, mais ils prétendent qu'elle date tout de même de l'an 18 avant notre ère, et qu'au IIIe siècle, elle fut incluse dans le mur d'Aurélien. Sérieux, vous pensez vraiment que cette pyramide de 36 mètres de haut, même restaurée comme elle l'est aujourd'hui, aurait pu nous parvenir dans cet état de conservation après avoir traversé deux millénaires? Au sujet d'un autre ouvrage majeur de 1663, de Jean Thévenot, « Relation d'un voyage au Levant », Jean-François Haribaud précise que les premières éditions de l'ouvrage ne possédaient pas d'illustration. Il faut attendre 1727 et l'édition d'Amsterdam, près de 70 ans après, pour qu'apparaissent des dessins qui inspireront le commentaire suivant à un certain Jean-Marie Carré. Je cite « Il y a là tout un décor d'Orient, contemporain des artistes qui ont travaillé au Caire à l'ornementation de la mosquée bleue, certainement plus ottomans qu'égyptiens, qui sent déjà un peu la turquerie du bourgeois gentilhomme et la figuration d'opéra comique
et qui contraste curieusement avec la vision personnelle de Thévenot. L'Égypte de 1660 reste pour son illustrateur, en 1727, l'Égypte de Versailles et l'Orient de Rembrandt. Curieux non ce commentaire. Pour moi, l'explication, la voilà. Les faussaires de l'époque n'étaient pas encore au point par rapport à l'Égypte dont le style artistique et architectural n'était pas encore défini. C'est l'époque des fabriques, des jardins paysagistes aux décors pittoresques, reflets d'un Orient imaginaire, avec une architecture anticipant sur la dégradation du temps et adoptant une esthétique de ruine, comme on peut d'ailleurs le voir avec le désert de Retz qui se visite encore de nos jours. Le 22 septembre 1774, moi, François-Henri Racine de Monville, entreprend la réalisation d'un jardin anglo-chinois qu'on nommera plus tard le désert de Retz. À partir de mes esquisses, je lance la construction de fabriques, une maison chinoise, une colonne détruite, en passant par un pont pittoresque. Une vingtaine de réalisations parsèment désormais les 17 hectares de mon domaine. Depuis, j'ai bien cru voir mon œuvre mourir 100 fois. Aujourd'hui, un souffle nouveau semble balayer ce désert. J'entendrai presque les vestiges des fabriques fredonner les airs des grands bals de l'époque. L'église gothique ruinée respire les effluves des frênes et des érables. La glacière en forme de pyramide se réfugie à l'ombre des sycomores. L'attente tartare s'abrite sur l'île du bonheur. Le dieu Pan reprend ses quartiers et le temple du repos retrouve sa plénitude. Les concerts et les pièces de la Comédie française résonnent encore sous le berceau des grands ormes du théâtre découvert. Les 48 pieds de la colonne détruite dominent fièrement le domaine. Venez, parcourez ce désert. Venez à la rencontre d'une figure libre qui me valait les honneurs de la cour et la reconnaissance des grands penseurs. Laissez-vous surprendre par cette folie. Laissez-vous surprendre par ma folie. Le désert de Retz, il faut bien comprendre qu'il est l'un des rares à avoir survécu. Et encore, la moitié des fabriques ont disparu, et les autres, celles qu'on peut visiter, n'ont pas seulement été restaurées, mais carrément reconstruites par la commune de Chambourcy dans les Yvelines. Donc, en se copiant les uns et les autres, les artistes vont répéter ce genre de fantaisie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Car les faussaires s'inspirent toujours des travaux de leurs prédécesseurs, en ajoutant au fur et à mesure les nouveaux détails qu'ils auront glanés s'ils ont été quelque peu initiés eux aussi. Il n'empêche, la description des pyramides par Thévenot en 1663, notez-le bien, est très détaillée et elle semble fidèle aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur de la pyramide de Khéops. C'est de toute évidence un témoignage de première main, c'est du vécu. Cette description m'incite à penser que la grande pyramide était achevée, et les autres pyramides aussi, où, comme il ne s'étend pas vraiment dessus, au moins en voie d'achèvement à cette époque, seconde moitié du XVIIe siècle donc. À titre d'information, pour ceux qui l'ignorent, la franc-maçonnerie apparaît en 1598 en Écosse, c'est-à-dire elle va débuter sa marche vers le pouvoir avec le XVIIe siècle naissant. Je dis ça, mais vous gardez ça dans un coin de la tête. Autant Thévenot est intarissable lorsqu'il parle de la Grande Pyramide, lui consacrant plusieurs pages de son récit avec force de description très détaillée, nombre de pierres, taille et distance, autant il est peu bavard quand il s'agit des autres pyramides et dans sa description du Sphinx, qu'il décrit en une quinzaine de lignes à peine comme un buste de femme dont on voit la poitrine. Pour le reste, concernant le Sphinx, il se contente en réalité de reprendre ce que bien d'autres ont pu dire avant lui. Bref, nous avons vu que concernant les gravures des pyramides, jusqu'à la seconde moitié du XVIIe siècle, ça reste, comment dire, de l'à peu près.
Un peu d'ailleurs comme les premières photos de la Terre par la NASA, et même les premières retransmissions TV des missions lunaires, toutes invariablement en noir et blanc. C'est pas comme si on n'avait pas déjà la couleur. C'est à chaque fois la même chose. Au début, les faussaires avancent prudemment. Les premières images de la Terre vues de l'espace sont en noir et blanc, floues, cotonneuses, impossible d'y distinguer quoi que ce soit. Ici, la première photo de la Terre prise en 1946 par une fusée V2. On n'est pas encore dans l'espace. Voici la première photographie de la Terre vue de l'espace prise par un satellite. Alors, attention, hein, cette photo est accompagnée d'une légende. On nous dit en effet, première image de la Terre prise par un satellite en orbite, elle montre une zone éclairée par le Soleil dans l'océan Pacifique et la couverture nuageuse. Ils ont de la gueule, les mecs, quand même. L'image a été faite alors que le satellite Explorer 6 se trouvait à environ 27 000 km d'altitude le 14 août 1959. Et là, vous avez quelques-unes des premières images de la Terre prises par le satellite météorologique Tyros, lancé le 1er avril 1960. Il faut savoir que c'est sur la base de ces photos, plus de 22 000 prises en 78 jours, qu'on a commencé à faire les prévisions météorologiques quotidiennes. Bref. Et puis, quand ils voient que ça passe, les faussaires, ils font monter la sauce. Et la sauce, concernant les représentations des pyramides et du Sphinx, vous allez voir qu'elle va monter. Regardez à présent cette représentation des pyramides et du Sphinx dans l'ouvrage du sieur de la Bouleille, Le Gouze. François pour les intimes, en 1653, soit 10 ans avant Jean Thévenot et quasiment un siècle après André Thévé. Bon, je ne commenterai pas la tête du Sphinx à turban, mais voyez plutôt la pyramide. En dehors du fait qu'elle est beaucoup trop pointue, notez cet autre détail sur la façade à droite. Il n'y a qu'une moitié de façade à l'ombre. C'est très marqué et à mon avis, ce n'est pas dû au hasard. L'illustrateur a voulu représenter un élément porté à sa connaissance et qu'il a bien retenu. Il s'agit du désormais célèbre phénomène d'apothème. Les quatre faces de la pyramide sont en effet très légèrement incurvées. Or, ce phénomène remarquable d'un effet voulu par les constructeurs de la pyramide est tellement peu visible à l'œil nu qu'il n'a été découvert qu'en 1930. Alors comment imaginer une telle précision d'un détail si infime sur une gravure de la moitié du XVIIe siècle, gravure grossière qui ne respecte même pas les proportions et l'inclinaison des pyramides? Pour moi, la seule explication, c'est que certains initiés savaient à quoi devaient et allaient ressembler les pyramides, non encore érigées en 1653, mais déjà en projet et peut-être même déjà en construction conformément aux impératifs du scénario que doivent invariablement respecter les 13 lignées. Ceux qui sont à l'origine du dessin disposaient d'une vague description des pyramides avec quelques caractéristiques déjà établies, dont le phénomène d'apothème. Cette description était pour eux une sorte de cahier des charges à remplir. Vous savez, c'est un classique dans cette matrice artificielle, l'impatience et aussi la volonté de préparer les esprits. On veut donner corps aux choses qui sont imminentes, aux événements qui vont se produire avant même qu'ils aient eu lieu. Et alors on révèle juste ce qu'il faut à celui qui devra en faire la représentation pour le public. L'artiste retiendra les détails qui auront marqué son esprit, ici les façades légèrement incurvées des pyramides, et pour le reste, on le laisse donner libre cours à son imagination qui remplira les vides. Jean-François Daribaud s'étonne, en tout cas, de ce que ces artistes n'aient pas écouté davantage les remarques des voyageurs qui n'ont sans doute pas manqué d'essayer de corriger ces erreurs grossières, puisqu'ils étaient vivants et supervisaient la plupart du temps la réalisation des ouvrages. Évidemment, l'universitaire n'imagine pas l'impossible, à savoir que personne n'était en mesure de voir ce fameux sphinx,
puisqu'il n'était pas encore bâti à l'époque, ni ces fameuses pyramides qui n'étaient pas encore totalement achevées en 1653, mais le seraient en 1660, quelques années plus tard, lors du voyage de Thévenot. Il en conclut donc logiquement que les auteurs devaient se soumettre à la volonté des graveurs. Or, ça ne tient pas la route. Celui qui décide, c'est toujours celui qui commandite, finance le livre, souvent l'auteur ou l'éditeur, parfois un mécène érudit. L'intérêt des uns et des autres aurait été de coller au plus près à la réalité et de montrer les pyramides telles qu'elles apparaissaient dans toute leur étrangeté, déjà si extraordinaire et si fascinante sans qu'on ait besoin d'en rajouter, et donc de laisser au témoin le dernier mot. Sauf que, ça n'est apparemment jamais le cas à l'époque. Ah, c'est sûr que ça fait un peu mauvais genre. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. C'est juste ma façon d'interpréter et d'expliquer les choses. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que je veux vous imposer ma façon de voir. Et je suis sûr que beaucoup trouveront d'autres explications ou contre-exemples pour me prouver que j'ai tort. C'est le jeu. C'est pas pour rien si nous vivons dans une réalité fractale. Appréciez en tout cas cet autre sphinx avec turban tiré des voyages de M. Monconis, publié en 1665, soit 2 ans après celui de Jean Thévenot. Le sphinx, c'est toujours du n'importe quoi. Et forcément, puisque le sphinx n'existe toujours pas alors que les pyramides se dressent déjà. Finalement, c'est assez logique. On commence toujours avec le gros œuvre, puis on termine avec la finition. Le petit détail, ici le sphinx qui est censé être le gardien du site. Psychologiquement, ça se tient. On ne met pas sur un site le gardien si sa raison d'être, la chose qu'il doit garder, n'existe pas encore. On est d'accord, le sphinx, c'est la cerise sur le gâteau. Normal qu'il arrive après le gâteau. Sur cette même page du livre de M. Monconi sont représentées les pyramides. Et je dois dire qu'elles sont plutôt bien représentées pour l'époque. Ça reste d'ailleurs une impressionnante exception. L'ouverture sur la première pyramide ne correspond pas à la réalité, mais la configuration est plutôt fidèle dans l'ensemble par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Il y a malgré tout un problème sur cette page. Voyez, comment expliquer le contraste avec cette tête de sphinx qui ne ressemble à rien ? Et la représentation presque parfaite des pyramides. Comment expliquer que ce dessin des pyramides soit placé si bas dans la page du livre de Monconis et qu'il prenne si peu de place? Ça ne paraît pas logique quand on connaît la démesure du monument. Pourquoi ne pas lui donner l'importance qu'il mérite pour une fois que les pyramides sont bien représentées? L'auteur aurait légitimement dû exiger qu'une page pleine leur soit consacrée. Si le livre date de 1665, le voyage de Monconis date-t-il de la période de la construction des pyramides, alors qu'elle n'était pas encore totalement achevée et donc pas aussi impressionnante qu'elle le deviendrait? Mais suffisamment tout de même pour qu'on s'en fasse une bonne idée? Je n'affirme rien, encore une fois. Cette explication me paraît légitime. Car, comme le fait si bien remarquer l'universitaire, et là je le cite, « La vue cavalière des pyramides, malgré les arbres taillés en boule du premier plan, a l'avantage de respecter l'inclinaison véritable des monuments, trait de véracité qui sera sans lendemain, puisque 20 ans après Monconi, apparaît dans la compilation d'Offer d'Appert ce tableau, ou plutôt ce décor fantastique des pyramides d'Égypte qui semble en partie inspiré aux Hollandais par une gravure de son compatriote Sommer. La fidélité obstinée au modèle romain y éclate. » On reconnaît dans ce tableau de l'ouvrage d'Offer d'Appert, publié en 1685, les pyramides à pointe, en effet, courantes à l'époque, et surtout la présence d'un buste géant en arrière-plan, à gauche, et à droite, en contrebas, le sphinx. Bizarre. Il y a apparemment une confusion entre ce buste de femme dont on devine la poitrine,
et le sphinx. Voici le dessin de Sommer qui a inspiré celui qui se trouve dans l'ouvrage de compilation d'Offer Dapper. Cette représentation de Sommer a été publiée en 1649, soit 36 ans avant la copie d'Offer Dapper. Et notez que Sommer lui-même a été souvent accusé de plagiat. Curieusement, seul le buste figure sur cette représentation de Sommer, comme si le sphinx n'était alors qu'une tête que les artistes du moment ont très souvent représenté comme un buste géant. Hein, donc dans les témoignages anciens, dans les gravures anciennes, on ne voyait qu'un buste, de femme avec une poitrine qu'on apercevait. Et de deux choses l'une, soit le corps du sphinx était encore enseveli sous le sable, ce qui a été dit d'ailleurs, peut-être pour justifier l'incohérence des témoignages anciens, et les témoins n'ont donc parlé que d'une tête géante affleurant à la surface, soit l'idée d'une tête sur un corps de lion est arrivée dans un second temps, à la fin du XVIIe siècle, modifiant ainsi le plan initial des bâtisseurs. Je penche pour la seconde hypothèse, car les auteurs du XVIe et début XVIIe, s'ils avaient réellement vu le site de Gizeh, non pas tel que nous le voyons aujourd'hui, mais tout de même achevé, bien qu'en partie enseveli sous le sable, n'auraient jamais laissé dessiner deux sphinx sous deux formes différentes alors qu'ils n'en auraient vu qu'un. Cette évolution des plans de représentation du sphinx a créé une confusion chez les graveurs qui ont cru avoir affaire à deux structures différentes. Un buste de femme d'un côté, comme c'était prévu et comme c'était décrit par les premiers témoins, et un sphinx sur le corps d'un lion de l'autre, tel qu'il a été décidé tardivement de le bâtir. Certains témoignages pris dans cette confusion ont d'ailleurs parlé de deux sphinx découverts qui auraient traversé les millénaires. Plus tard, il a été dit que l'un des deux, conçu dans des matériaux moins nobles, avait mystérieusement disparu, érodé par le temps, entre le XVIe et XVIIe siècle. Pas très crédible tout ça. Tout ce dont on peut être sûr aujourd'hui, c'est que le buste présent en 1649 sur le dessin de Sommer est présent encore dans la version de 1685, cette fois aux côtés du sphinx, va rapidement disparaître pour ne laisser sa place qu'au seul sphinx à la fin du XVIIe siècle. Dominique Jonas, au XVIIIe, va nous apporter un début de réponse sur la date de construction du sphinx. Le chevalier Dominique Jonas fut conseiller de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche et l'auteur de l'histoire générale des royaumes de Chypre, de Jérusalem, d'Arménie et d'Égypte, comprenant les croisades avec plus d'exactitude qu'aucun auteur moderne les ait encore rapportées et les faits les plus mémorables de l'Empire ottoman depuis sa fondation jusqu'à la fameuse bataille de Lepanto où finit cette histoire dans laquelle on trouve aussi l'anéantissement de l'Empire des Grecs. On y a ajouté l'état présent de l'Égypte, tome 2, 1747. Ça, c'est pour le titre de l'ouvrage de Dominique Jonas. Voici donc ce que nous dit le chevalier à propos du sphinx en 1747. Je pense que cette idole était autrefois couverte par un toit. Les preuves que j'en ai sont que la tête est aujourd'hui aussi entière par les endroits où elle n'a pas été violentée par les mains des hommes que si elle venait d'être seulement achevée. La peinture dont elle était couverte reste encore. Curieuse remarque, aussi intacte que si elle venait d'être achevée. Au XVIIIe siècle, après plusieurs millénaires, et même une dizaine de millénaires, et un déluge, selon la théorie alternative, des Atlantes bâtisseurs. Et que dire de cette peinture encore présente? Étrange pour un monument prétendument multimillénaire que tout se soit si rapidement dégradé entre 1750 et 1850. Pas étonnant, en revanche, si comme je le pense, le sphinx a été bâti après l'édification des pyramides, c'est-à-dire entre la toute fin
du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Notez à présent les deux petites fenêtres en haut de la pyramide sur le dessin de Jean Sommer, dont je vous rappelle la date 1649. On peut évidemment toujours prétendre que les illustrateurs n'en ont fait qu'à leur tête. Jean Thévenot, en 1663, fait lui-même allusion à ses témoignages sur les fenêtres, en disant que de son côté, il n'a trouvé aucune fenêtre dans la chambre basse, la chambre de la reine. Je le cite. « Plusieurs disent qu'il y a encore une fenêtre qui conduit vers d'autres lieux, mais que pour y monter, il faudrait une échelle. Pour moi, je soutiens que cette fenêtre n'y est point, sauf le respect de ceux qui voudraient qu'elle y soit. Il faut qu'ils aient pris pour une fenêtre une certaine humidité qui est environ à cet endroit, car j'y ai été trois fois exprès pour trouver cette fenêtre, apportant à chaque fois une échelle de corde que j'avais fait faire avec des crochets. Et ayant regardé fort attentivement de tous côtés, ni moi, ni tous ceux qui étaient avec moi, ne l'ont jamais trouvé. » Thévenot fait notamment allusion ici au témoignage de Pierre Belon, en 1553, qui parlait déjà de cette fenêtre dans son observation des singularités et choses mémorables trouvées en Égypte. Vous savez, Pierre Belon, celui dont notre universitaire déplore en introduction de son mémoire qu'avec le talent de dessinateur qui était le sien, il se soit contenté de produire uniquement des dessins d'animaux et de plantes. Bref, Thévenot a raison. Cette fameuse fenêtre que nous appelons aujourd'hui à tort conduit d'aération n'y est pas quand il fouille la chambre de la reine dans la Grande Pyramide. Elle sera découverte en 1872 par l'archéologue anglais Dixon alors que celui-ci élargissait une fissure. Un second conduit sera d'ailleurs découvert dans la foulée. Posez-vous la question, comment une fenêtre peut-elle être apparente en 1553, invisible en 1663, puis redécouverte quelques siècles plus tard? Pierre Belon ne dessinera pas la pyramide de Khéops malgré son talent. Est-ce parce qu'elle n'existait pas encore? Sa description détaillée, mentionnant même des conduits invisibles, ne reposait-elle pas, en fait, sur des confidences obtenues de ses amis qui étaient dans le secret et connaissaient les plans alors en cours d'élaboration? Quoi qu'il en soit, ces deux conduits ne débouchent pas à la surface de la pyramide, contrairement aux deux conduits qui partent de la chambre dite du roi. J'en déduis que ces deux petites fenêtres représentées sur le dessin de Sommer en 1649 représentent les deux conduits d'aération de la pyramide de Khéops qui partent de la chambre du roi, la chambre haute, et dont les entrées étaient effectivement connues à l'époque du dessin. En revanche, les sorties vers l'extérieur de ces mêmes conduits n'ont été découvertes que bien plus tard, en 1837. La présence de ces deux fenêtres à la surface de la pyramide, sur le dessin, n'est-elle pas la preuve que le dessinateur en 1649 a eu accès à des descriptions de première main de la part de ceux-là même qui étaient encore en train d'achever les plans? Information dont il aurait retenu ce détail et qu'il aurait alors voulu représenter deux siècles avant leur découverte effective. À noter, pour en finir avec ce dessin de Sommer, le phénomène d'apothème dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce phénomène est visible sur la pyramide au premier plan, avec l'ombre qui s'étend seulement sur une moitié de façade et surtout sur la seconde pyramide en arrière-plan, qui nous présente une façade carrément coupée en deux, comme quoi les graveurs faisaient comme ils pouvaient avec les informations dont ils disposaient. Finalement, Jean-François Haribaud nous apprend que c'est l'ouvrage « Voyage au Levant » de Cornelius Lebrun en 1698 qui fera date, lui, par la qualité de ses gravures. Il est le premier, en effet, à témoigner d'une préoccupation nouvelle, celle de la fidélité à l'original.
Le dessin de Lebrun nous indique que le sphinx était achevé ou en voie de l'être en cette toute fin de XVIIe siècle. Nous sommes en 1698. Il aura fallu à peu près un siècle pour que le plateau de Gizeh émerge des sables et se débarrasse des fantasmes pour naître enfin à la réalité. Le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, creuset de la seconde Renaissance, qui verrait le triomphe des francs-maçons, allait naître avec lui. Et finalement, il faudra attendre la publication des rapports de l'expédition napoléonienne vers 1799 pour avoir enfin des représentations réellement fidèles du plateau de Gizeh dans sa totalité. Cette gravure nous montre encore une fois le phénomène d'apothème, apparemment bien connu encore au XIXe siècle, puis curieusement oublié, et qui sera redécouvert au XXe siècle. On a dit d'ailleurs que les troupes napoléoniennes avaient tiré à coups de canon sur le sphinx et que c'est ainsi que celui-ci avait perdu son nez. C'est une anecdote bien connue de la campagne d'Égypte. Pourtant, le voyageur danois Ludwig Norden a dessiné ce sphinx en 1737 avec son nez cassé, 33 ans avant la naissance de Napoléon. En fait, le problème avec l'Égypte, c'est que plus on se penche sur les témoignages écrits et les documents existants, et plus on se rend compte de choses aberrantes. C'est comme pour la NASA, ça sent l'arnaque à plein nez. Où est la vérité dans tout ça? Il y a tant de contradictions, d'anomalies, de faux, le mystère est si grand. Mon interprétation ne me semble pas si folle. À propos des pyramides, le chevalier Jonas dira aussi dans son ouvrage de 1747 « On a trouvé une pyramide dont le revêtement avait été enlevé. On a cru là-dessus qu'elle n'avait jamais été achevée. On a trouvé une pyramide ouverte, on s'est imaginé qu'elle n'avait jamais été fermée. » Finalement, pourquoi pas? Selon moi, je le répète, les plans des pyramides ont été élaborés dès la première Renaissance. Puis ils ont été récupérés par la lignée des Lumières, de plus en plus puissante, et qui a lancé le chantier durant la seconde partie du XVIIe siècle pour les besoins du grand scénario, parce que le moment était venu de donner corps aux légendes anciennes, à ces mythologies. Il fallait que de ce concept abstrait des sept merveilles du monde antique, une au moins soit parvenue jusqu'à nous. Et là, on ne va pas changer les bonnes vieilles habitudes, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de cette fameuse liste des sept merveilles du monde, imaginée lors de la première Renaissance. C'est une idée géniale, car par la simplicité de sa force évocatrice, cette liste, à elle seule, apporte consistance à la notion impalpable d'un lointain passé à travers lequel s'est déroulée l'histoire et dont tous les êtres humains ont l'illusion d'être les héritiers. Cette liste, que tous les écoliers ont appris par cœur, répondait aussi parfaitement à la stratégie de la première lignée régnante, dont le pouvoir à Rome s'appuyait sur l'existence d'un dieu unique ayant créé l'humanité à son image, et donc un homme parfaitement achevé. On se souvient que l'invention de la préhistoire, des dinosaures, bref, que la théorie de l'évolution n'apparaîtrait qu'avec la seconde Renaissance, quand la science serait amenée à remplacer la religion en devenant elle-même un dogme religieux, étant par son potentiel illimité capable d'apporter le bonheur aux hommes, non pas en leur ouvrant les portes du paradis du ciel, mais celle d'une vie sur terre devenue un paradis avec l'espoir d'atteindre un jour à l'immortalité, ce que nous promet aujourd'hui le transhumanisme. Toujours les mêmes promesses finalement, les mêmes leviers conduisant à la soumission des peuples. On voit cette soumission à la science tous les jours dans nos sociétés modernes, avec toutes sortes de lois qui sont votées, notamment à travers la relation que l'on observe entre le patient et son médecin. Mais revenons à notre liste des sept merveilles du monde antique.
Il s'agit d'une liste de monuments qui auraient été construits dans l'Antiquité entre moins 3000 et moins 300 avant Jésus-Christ. On est bien là, donc, dans le cadre de la première Renaissance, avec une temporalité créationniste, c'est-à-dire fidèle aux révélations contenues dans la Bible et la vision de la création du monde en 6 jours, le 23 octobre 4004. Il y a donc environ 6014 ans. Les monuments qui figurent sur cette liste sont tous exceptionnels par leur magnificence, leur démesure et l'impact qu'ils étaient censés procurer à tous ceux qui les contemplaient. Pour info, car il y a confusion là-dessus, on ne trouve pas la muraille de Chine dans cette liste. Dans un épisode précédent, j'ai déjà expliqué ce qu'il en était de ce monument officiel, vieux de plus de 2000 ans et dont il ne reste plus grand-chose, si ce n'est les zones d'attraction que l'on fait visiter aux touristes. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. On se souvient que la NASA nous avait dit que la muraille était le seul monument que l'on pouvait voir depuis l'espace. En fait, il faut bien comprendre que ce genre de formule marche dans les deux sens. C'était pour la NASA une façon de se crédibiliser elle-même en s'appuyant sur un symbole fort. En fait, c'est l'exemple parfait d'un mensonge qui s'appuie sur un autre mensonge pour devenir une vérité. Preuve en est aujourd'hui, à en croire les photos de Thomas Pesquet, tous les monuments, même les plus petits, sont désormais visibles depuis l'ISS. Figure donc sur cette liste, datée du 3e siècle avant Jésus-Christ, la pyramide de Khéops, le phare d'Alexandrie, les jardins suspendus de Babylone, le temple d'Artémis en Turquie, la statue de Zeus à Athènes, le colosse de Rhodes et enfin le mausolée d'Halicarnasse en Turquie. Autant de merveilles qui font rêver. On raconte qu'il y a eu plusieurs listes à travers l'histoire. L'incontournable Hérodote lui-même en aurait proposé une au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce qu'il y a de bien avec Hérodote, c'est que s'il y a quelque chose à connaître de l'Antiquité, forcément il en a parlé. Il a parlé de tout, Hérodote. Et quand il ne parle pas d'un événement, c'est juste parce qu'il est mort avant. Et encore, c'est limite. Mais même dans ces cas-là, c'est pas très grave parce qu'il suffit de se tourner alors du côté de Pline le Jeune ou de son oncle Pline l'Ancien. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous faut 2 Plines pour faire un Hérodote. C'est le haut du panier antique, Hérodote. Vous prenez n'importe quoi, n'importe quel sujet. Le taux d'usure du trident de la galère à marée basse les nuits de pleine lune, il en a forcément touché un mot, Hérodote. Ah oui, il a abordé toutes les questions. Ah ben, Hérodote, c'est un peu notre Einstein. Parce que Einstein, si on en croit Facebook, je ne sais pas s'il a inventé la bombe atomique, le gars, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a dû en passer des heures et des nuits à rédiger les milliers de citations qu'on lui attribue. Et mieux encore, il continue d'en sortir des nouvelles tous les jours. Ils ont dû trouver un truc, je ne sais pas, c'est peut-être pour ça qu'ils ont conservé son cerveau, ils l'ont transformé en biscuit chinois. Tous les jours, ils écartent les deux hémisphères et hop, si l'abeille disparaissait de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. Et hop, il n'y a que 2 choses infinies, l'univers et la bêtise. Et hop, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Le mec, au début, Einstein, moi, j'ai cru qu'il bossait pour Carambar. Non, bref, ce qu'il faut retenir, c'est que Hérodote, c'est du lourd. Finalement, de toutes ces listes, on n'en retiendra qu'une. La liste connue sous le nom de Palatinus 398 et dont l'auteur est totalement inconnu. En fait, on nous dit que la liste date du 3e siècle avant Jésus-Christ, mais en réalité, la plus vieille copie remonterait au 10e siècle. On nous montre ce document que vous voyez ici comme la copie du 10e siècle de cette fameuse liste authentique. Personnellement, j'ai un doute. J'ai l'impression que ce document remonte au moins à la seconde moitié du 15e siècle. On sait en effet que c'est en 1450 que Gutenberg se lance réellement dans l'imprimerie, et son idée première pour imposer son invention, c'est d'imiter parfaitement les textes manuscrits. Il me semble que c'est le cas de ce document. Il pourrait en effet s'agir d'un imprimé imitant l'écriture manuscrite.
Si on regarde attentivement chaque lettre, on se rend compte qu'elles sont à la fois trop parfaites et sans être parfaitement identiques. C'est le cas des presses à cette époque. J'ai le sentiment que le document n'a pas été écrit à la main, mais avec une presse imitant la main de l'homme à la perfection. Toujours est-il que pendant 5 siècles, du 10e au 15e siècle, cette liste serait restée bien sagement dans un monastère du mont Athos. Donc personne ne la voit. Et puis alors, tout à coup, curieusement, à partir du 15e siècle, on ne sait pas ce qui se passe, elle a la bougeotte et elle commence à voyager. On la retrouve à l'université de Heidelberg, en Allemagne, puis les catholiques la récupèrent pendant les guerres de religion. Elle se retrouve à Rome, au Vatican, puis à Paris, où les troupes révolutionnaires françaises la ramènent après la victoire sur l'armée du Saint-Siège. Au début du 19e siècle, la France restitue la précieuse liste à l'université allemande, où elle se trouve encore de nos jours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça vous donne déjà une petite idée de la résistance du document. Encore un de ces documents passés entre les mains de moines, l'histoire ne dit pas s'ils étaient alcooliques, mais bon, d'étudiants, de soldats, d'intrigants, de diplomates, de politiques. Un document qui échappe à plusieurs guerres à travers l'histoire et qui, il faut bien le reconnaître, a beaucoup mieux résisté au temps que tous les monuments qu'il décrit et dont il ne reste curieusement plus une seule pierre debout, à l'exception des pyramides, évidemment. Alors, où est-ce que je veux en venir avec cette histoire du Palatinus 398 ? Le concept des sept merveilles du monde antique apporter en fait de l'authenticité à moindre frais aux civilisations passées tout en imposant dans la durée la philosophie de la première Renaissance qui en était l'instigatrice et la principale dépositaire. Mais la lignée au pouvoir ne pouvait pas en rester là. Il lui fallait au moins façonner une de ces merveilles pour finir d'asseoir la réalité de cette antiquité. L'histoire, c'est comme un décor subliminal. Nous n'en avons pas besoin ni conscience au quotidien, mais sans elle, nous serions comme des aveugles qui avanceraient dans le noir. Non, c'est pas Einstein qui a dit ça, mais il aurait pu. De toute cette liste, les pyramides étaient sans doute le monument le plus logique, ne serait-ce que par l'impression de robustesse qu'elles dégagent. Mais aussi, peut-être parce que c'était le monument le plus facile à bâtir pour des lignées détentrices du grand secret de la pierre philosophale, cette pierre moulée dont j'ai déjà abondamment parlé. On préparait donc déjà dès le XVe siècle l'édification de la pyramide qui, en termes de vraie fausse révélation finale, aura d'ailleurs un rôle important à jouer lorsque s'achèvera le grand scénario de ce cycle de 1000 ans. Des plans de construction ont donc été élaborés durant des siècles, discutés, remaniés dans le plus grand des secrets par des initiés en attendant l'heure où les travaux ne pourraient plus être différés. La forme de la pyramide a dû évoluer au fil du temps, à mesure que les contraintes techniques disparaissaient. Il est intéressant de noter au passage que le Palatinus 398 est passé entre les mains des troupes révolutionnaires françaises victorieuse. Cette victoire des révolutionnaires sur le Vatican est en effet un marqueur du triomphe des francs-maçons et de la prise de pouvoir de la lignée des Lumières qui allait diriger le monde lors de la seconde Renaissance. Il n'y a pas vraiment de hasard. Cette liste était un symbole et à travers elle, la révolution scientifique engagée depuis un siècle allait s'approprier l'histoire de la première Renaissance. Un passage de relais, en quelque sorte. Regardez en tout cas l'état de préservation de cette fameuse copie du Xe siècle. Non mais vraiment, vous ne trouvez pas qu'ils nous prennent vraiment pour des fromages? Revenons au chevalier Jonas et à sa réflexion sur les pyramides. Vous vous souvenez, on a trouvé une pyramide dont le revêtement avait été enlevé, on a cru là-dessus qu'elle n'avait jamais été achevée. On a trouvé une pyramide ouverte, on s'est imaginé qu'elle n'avait jamais été fermée.
Bah oui. Pourquoi ces faussaires, finalement, se seraient-ils donné la peine d'achever l'ouvrage pour ensuite le vieillir et le patiner? Je pense que les constructeurs du XVIIe siècle savaient que l'effort serait inutile, le temps et les millénaires justifiant l'état dans lequel on était censé découvrir les pyramides. Limiter les finitions à quelques salles intérieures était plus simple et bien plus rapide et tout aussi efficace. Le plus curieux dans tout ça, c'est qu'à partir de 1800, fini les fantasmagories, tous les voyageurs qui se rendront sur place décriront les pyramides avec une clarté et une rigueur égales. Est-ce l'esprit du 19e siècle qui change et qui permet aux observateurs de voir les choses telles qu'elles sont, alors que les esprits du 16e et 17e siècle se sentaient obligés d'enrober leurs observations de fantaisie en tout genre? Ou doit-on en déduire que les premiers rapporteurs des pyramides ne témoignaient que de projections qui leur étaient dictées par une hiérarchie supérieure et qu'ils devaient donc recourir à leur imaginaire en enrobant leur approximation de notions exotiques, au contraire des suivants, arrivés dans la seconde moitié du XVIIe siècle et qui témoigneraient avec force détail en s'appuyant sur la base de structures qui désormais existaient vraiment. Alors, on va me dire, et les descriptions nombreuses des historiens antiques qui ont parlé des pyramides, certes. Il y a l'inévitable, l'incontournable, le prodigieux Hérodote, le père de l'histoire. Sa seule œuvre parvenue jusqu'à nous, Histoire, annonce d'emblée sa raison d'être. Afin, nous dit-il, que le temps n'abolisse par le souvenir des actions des hommes et que les grands exploits accomplis, soit par les Grecs, soit par les barbares, ne tombent pas dans l'oubli. Je ne sais pas pour vous, mais moi, Hérodote me fait un petit peu penser à Mérère. Vous vous souvenez de Mérère, notre chef de chantier? Tandis que ses contemporains passent leur journée à préparer leurs petites orgies du soir, lui, Hérodote, besogneux, comme notre chef de chantier, il a le devoir de mémoire chevillé au corps. Il pense déjà, qui sait, à la vidéo YouTube que je vais faire, moi, dans 2500 ans. Et évidemment, Hérodote est aussi l'auteur de la plus ancienne et la plus précise description des pyramides, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Si c'est Hérodote qui le dit, c'est que c'est vrai. C'est comme Einstein avec les abeilles. 4 ans, c'est la fin du monde. Moi, je ne sais pas comment il a calculé, mais s'il le dit, moi, depuis les abeilles, la dernière qui m'a piqué, j'ai passé une heure à essayer de lui remettre son dard en place avec une pince à épiler. Bref. Hérodote a visité l'Égypte et il a longuement décrit les pyramides qui étaient alors parfaitement intactes après 3 millénaires. Voici ce qu'il nous dit. Écoutez bien parce que le parement de pierre d'une blancheur étincelante est si parfaitement ajusté que même de tout près, il est presque impossible de déceler les joints donnant à l'édifice l'impression d'être d'une seule pièce. Les pierres sont parfaitement polies et ornées de signes et symboles qui me plongèrent en conjecture. D'où vient le savoir produisant une chose pareille? Ah, vous voyez, c'est le genre de description qui a dû inspirer les scénaristes du film Stargate. Quand on lit ça, on n'a plus qu'à retourner chez soi en rampant comme un insecte. Oui, sauf que Hérodote, au fond, à part ses copains de l'époque qui l'ont abondamment cité, parce que c'est ça, hein, c'est la même histoire que pour la NASA qui parle de la Grande Muraille de Chine. Si c'est la NASA qui le dit, c'est que c'est vrai. Et si c'est vrai, c'est que la NASA, c'est vrai aussi. Circuler, plus personne ne se pose de questions. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à part ses amis de l'époque qui le citent et qui lui donnent donc par là même sa crédibilité, Hérodote, personne n'en a jamais entendu parler avant le 15e siècle. Alors il y a peut-être évidemment Grégoire de Tours, mais Grégoire de Tours c'est encore un autre sujet, c'est une sorte aussi d'Hérodote de la seconde Renaissance.
Mais ça, je pense qu'en faisant vos propres recherches, vous trouverez par vous-même les éléments qui me permettent d'avancer ce genre de choses. Hérodote, il est vraiment devenu célèbre et à la mode à partir du 18e et 19e siècle, c'est-à-dire au moment de la seconde Renaissance. Et pour cause, si on pouvait lui faire dire ce qu'on voulait avec des traductions sorties de sous le chapeau, alors il était le meilleur atout pour imposer le nouveau cadre historique de cette seconde Renaissance. Ce n'est pas un hasard si, au XIXe siècle, alors que des historiens commençaient à critiquer les textes d'Hérodote, de nouvelles découvertes archéologiques sont venues miraculeusement valider ses écrits. Vous comprenez, c'est le serpent qui, une fois de plus, se mord la queue. Deux mensonges qui font deux vérités. Et pendant ce temps-là, c'est toute une population qui est programmée. Des textes d'Hérodote, finalement. On n'a jamais connu que la traduction en latin du grand humaniste Lorenzo Valla vers 1450. Et encore, même là, il n'y a que les moines qui peuvent confirmer. C'est en tout cas à partir de cette traduction de base que découlent toutes les autres. Parlons-en d'ailleurs de Lorenzo Valla. C'était aussi un grand polémiste, on l'oublie un peu trop souvent. Refoulé à deux reprises par le Saint-Siège, alors qu'il postulait pour une carrière diplomatique, il a publié une étude sur les Actes des apôtres, dans laquelle il démontre que ce livre n'a pas été rédigé par les apôtres eux-mêmes. Je vous laisse imaginer l'ambiance en pleine Inquisition. Je pense que ça a dû jeter un froid. C'est lui encore qui démontre dans une publication que la lettre du Christ à Abgar d'Édesse et d'autres documents qui étaient considérés alors comme des textes sacrés étaient en fait des faux. Lorenzo, finalement, c'est un peu moi au XVe siècle. Sauf que moi, je ne bénéficie pas des protections dont il bénéficiait. Et puis, surtout, la NASA, moi, personnellement, ne m'a jamais proposé de boulot. Je vous le confirme pour ceux qui pourraient me soupçonner d'être passé de l'autre côté. Bref, figurez-vous que par rancunier du tout, à moins que ce ne soit pour éteindre l'incendie, le pape Nicolas V finit par le recruter comme secrétaire apostolique et le fait nommer à la curie romaine. Et là, de quoi le charge-t-il ? De traduire Hérodote en latin. On combat le feu par le feu, comme on dit. Une façon peut-être de le compromettre jusqu'au cou pour le faire taire à jamais. Je ne sais pas. N'oublions pas cependant qu'un certain nombre d'historiens lucides considèrent que les récits d'Hérodote sont pour la plupart des récits inventés. Je vous invite à découvrir la mouvance assez large de la Liar School of Herodotus. Pour finir avec Hérodote, je vous rappelle pour l'anecdote qu'il n'y a pas un seul mot sur les pyramides dans toute la Bible, alors que l'Égypte y joue un rôle très important avec Moïse qui aurait vécu il y a 3500 ans, soit environ 1000 ans après la construction des pyramides. Ne pas parler des pyramides dans l'Ancien Testament, ça aussi c'est ballot, et il me semble d'ailleurs que le Coran lui-même n'en touche pas un mot. On peut donc se demander si tous ces auteurs antiques, dont on ne connaît que des traductions en latin et qui passent leur temps à se citer les uns les autres, ne sont pas en réalité des personnages fictifs inventés à l'époque pour servir l'Église dans un premier temps, puis dans un second temps, la lignée des Lumières. Car l'histoire est essentiellement politique. Répéter un mensonge durant plusieurs générations, et ce mensonge devient une vérité que personne ne pourra plus discuter. D'autres textes anciens parlent aussi de pyramides, c'est vrai, des textes d'historiens ou d'auteurs, ou même de négociants arabes, et ce, jusqu'au XIVe siècle. Le problème, c'est que tous ces textes ont été connus très tardivement, et à travers des copies de copies et des traductions, les originaux n'ayant pas résisté au ravage du temps. En parlant de copies, que pensez-vous de ce document ? Vous le connaissez peut-être, il s'agit de la table de Peutinger.
J'ai découvert ce document il y a peu grâce à mon ami Sylvain, que je salue ici. Ce document, donc, qui défile sous vos yeux, est une copie du XIIIe siècle d'une carte romaine encore bien plus ancienne. Enfin, ça aussi, on n'est pas obligé de le croire. Quoi qu'il en soit, sur cette carte figurent les routes et les villes principales de l'Empire romain, les mers, les fleuves, les forêts, les chaînes de montagnes. La table montre la totalité de l'Empire romain, le Proche-Orient et l'Inde. Elle indique également le Gange, le Sri Lanka et la Chine y est même mentionnée. Composée de 11 parchemins, une fois assemblés, elle forme une bande de 7 mètres de long sur 34 cm. Découverte en 1494 par Conrad Celtis, la table porte le nom de l'amateur d'antiquité Conrad Peutinger, qu'il aurait reçu en héritage de son ami Conrad Celtis en 1508. Évidemment, Conrad n'était plus là pour témoigner. Je vous ai déjà expliqué comment les faussaires parviennent à faire entrer leurs découvertes sur le marché. Pour mieux faire passer l'entourloupe, ils utilisent soit le hasard, soit un enfant. Il leur faut toujours la main innocente. Et vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas plus innocent qu'un mort. Et des morts dans cette histoire, il va même y en avoir deux, puisque Peutinger lui-même va mourir avant de publier sa carte. Vous me suivez ? On a donc une carte du XIIIe siècle découverte à la fin du XVe siècle, en 1494, et qui change de main en 1508. Peutinger ne la fera pas imprimer, peut-être que l'affaire est un peu trop grosse pour lui. A-t-il des scrupules ? Antiquaire amateur, Peutinger est aussi un humaniste. Extraordinaire d'ailleurs de voir comment tous ces gens richissimes sont très souvent décrits comme des humanistes. On se demande vraiment comment, avec tous ces milliardaires humanistes qu'on a connus à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, on se demande comment le monde peut encore aller aussi mal. Je ne sais pas, c'est de la mauvaise volonté de la part des pauvres ou quoi. Bref, durant des décennies, personne ne verra cette carte. Et finalement, après la mort de l'antiquaire, une copie est réalisée. Donc, on parle désormais d'une copie de copie, et c'est sur la base de cette copie de copie que sortira enfin l'édition imprimée en 1598 à Anvers. Non, je n'ai pas dit qu'on nous l'avait faite à l'envers. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Sachez pour finir que pendant longtemps, on a cru que la première copie, celle du XIIIe siècle, prétendument réalisée par un moine copiste, avait disparu. Je parle de celle découverte par Conrad, la carte de Peutinger, la copie des cartes romaines originales disparue, alors elle, depuis Mathusalem. Vous me suivez toujours ? Eh bien, en fait, et vous n'êtes évidemment pas obligé de me croire, la carte de Peutinger a finalement été retrouvée au début du XVIIIe siècle, identique aux copies imprimées et en circulation depuis la fin du XVIe. Cette carte trône aujourd'hui à la Bibliothèque impériale d'Autriche et elle fait évidemment partie du patrimoine mondial de l'UNESCO au même titre que la grotte de Lascaux. Bon, alors, pourquoi je vous parle de cette carte extraordinaire ? Eh bien, tout simplement parce que celui qui a inventé cette carte, qui a servi pour la première impression au XVIe siècle, en 1598 exactement, cet illusionniste de génie qui s'est donné tant de mal pour représenter façon puzzle quelques 555 villes, et 3500 particularités géographiques comme des sanctuaires importants, des phares comme le phare d'Alexandrie, lequel sera entièrement détruit au début du XIVe siècle. Donc en les représentant par des petits symboles, par des petits dessins que vous avez sous les yeux, lui si minutieux, qui était vraiment animé du souci du détail, respectant les distances des étapes mesurées en lieu, et bien sûr avec quelques erreurs d'orthographe qu'on lui pardonnera, mais aussi,
quelques erreurs grossières sur certains noms de villes, et puis quelques anachronismes, oui, comme la présence de Pompéi ensevelie en 79, présence miraculeuse sur une carte dont la datation de l'original est officiellement estimée au 4e ou 5e siècle de notre ère. Eh bien, je vous le donne en mille. Étourderie, oubli maladroit, cette carte extraordinaire n'indique pas les pyramides au Caire le long du Nil. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je trouve ça ballot. Et même si la carte est authentique, finalement, ça ne change rien, car les Romains connaissaient bien l'Égypte. On se souvient des frasques de la belle Cléopâtre. Ainsi, qu'il s'agisse d'un moine copiste du XIIIe siècle, copiant une authentique carte romaine au tout début de la première Renaissance, ou qu'il s'agisse d'un faussaire du XVe siècle, ou de la fin du XVIe siècle, date de la première impression de la carte de Peutinger, cette absence est pour moi la confirmation du fait qu'à la toute fin du XVIe siècle, les pyramides n'existaient pas. Alors évidemment, toutes ces histoires de pyramides font rêver les moutons récalcitrants que nous sommes. Nous voulons être à la pointe dans ce domaine. Nous voulons avoir absolument raison. Il est temps d'ouvrir les yeux. Ce besoin de ronger les os qu'on nous tend nous conditionne et nous prépare au grand dénouement final, la révélation des dieux extraterrestres ou atlantes lors du spectacle Blue Beam. Ainsi, si nous ne nous déprogrammons pas, le piège se refermera sur nous. Il y a un dicton populaire qui dit qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Et non, c'est pas Einstein qui a dit ça. Par contre, il est très facile de faire du vieux avec du neuf. Et ça, les faussaires l'ont bien compris. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils ne se donnent même plus la peine de vieillir ce qu'ils fabriquent. Après les enfants perdus de Ramsès II, cette année, vous avez pu découvrir la cité perdue de Ramsès, sortie du désert et qui est comme neuve. Vous avez pu voir ces vestiges flambant neufs. Il faut imaginer que l'enceinte s'étend encore à une centaine de mètres au-delà des maisons. Il faut imaginer Pi-Ramsès sillonné par de nombreux canaux qui desservaient les temples et les palais. Il faut imaginer des maisons pour vraisemblablement des dizaines de milliers de personnes. Imaginez qu'on vous aide à imaginer. On peut imaginer que ça y ressemblait. Mieux, imaginez qu'on ait retrouvé la cité perdue de Ramsès II, mercredi à 20h50 sur France 5. Oui, il faut en effet beaucoup d'imagination. Alors, eh bien, il nous aide beaucoup. Dans une société de consommation où tout va de plus en plus vite, de nouvelles cités antiques sortent du sable tous les ans. La fameuse cité de Ramsès II, comme nous venons de le voir, mais aussi cette cité antique inconnue découverte sous la ville de Thessalonique. Dites, vous y croyez encore à toutes ces découvertes de sépultures plus incroyables les unes que les autres ? C'est pas comme s'il n'y avait pas eu des centaines d'Howard Carter et de Weiss pour retourner tous ces sites
et parfois à coups de dynamite pendant tout le XIXe siècle. الحفائر دي احنا مكونه من 30 عامل غير الاشارين وغير الرئيسه غير الرئيس مكونه من 30 عامل الفتره خدناها تتراوح من شهرين لشهرين ونص مثلا ما خدنا بالحضرتك في هذا الفتره دي وما زال خلي بالك احنا لسه ما خلصناش العمل في هذه المقبره هوب Encore une sépulture inviolée. Vous y croyez encore à ces crânes absolument intacts après plus de 3000 ans? Vous croyez encore à toute cette surenchère après tout ce que je vous ai dit? À ces couleurs, ces peintures qui sont encore fraîches? À ce style qui change insidieusement en passant à mesure des découvertes d'un style 19e à un style 21e beaucoup moins léché? Certains ressemblant d'ailleurs plus à des esquisses, esquisses qui sont au goût du jour. D'un côté, vous avez une découverte biblique majeure en Israël, un petit morceau d'argile d'un centimètre que les archéologues reconnaissent comme étant le sceau d'Isaïe. Fallait-il la trouver, celle-là, un centimètre au milieu d'un champ de cailloux? De l'autre, des archéologues nous apprennent que le fameux mur des Lamentations devant lequel viennent se recueillir des centaines de milliers de personnes tous les ans, n'a pas été bâti par Hérode. C'est un coup de tonnerre concernant tout ce que l'on pensait savoir sur le dernier vestige du mur occidental du second temple de Jérusalem. En creusant dans les fondations à la recherche d'une rue romaine, les scientifiques israéliens ont eu la surprise de découvrir un petit théâtre à la place. La matrice ne serait-elle pas en train de nous dire que tout cela n'est finalement que du théâtre? Vous y croyez? Ou alors, ça commence à vous faire tilt? Vous commencez à entrevoir le cadre de la simulation? Nous sommes dans un monde à la Westworld, et beaucoup n'y voient que du feu. Il y a toujours de nouvelles mises à jour. Le parc doit rester attractif, façon Hollywood. Et l'archéologue se transforme en Indiana Jones. Nous évoluons au milieu d'un grand cirque organisé par des lignées en charge de conduire le troupeau humain selon un scénario établi à l'avance. Des personnes qui travaillent et suivent un plan qui s'échelonne non pas sur 5 ou 10 ans, non pas sur toute une vie, mais carrément sur des générations qui ont une vision globale du temps qui passe et qui œuvrent à travers leur lignée de père en fils. On se souvient de la famille Cassini dont j'ai déjà parlé. Et puis, il y a les autres, les faussaires autodidactes. Les plus talentueux d'entre eux sont récupérés par ces lignées, obtiennent les honneurs, les postes importants. Mais parfois, il arrive aussi qu'ils tombent. Avez-vous entendu parler de Shinichi Fujimura, considéré durant 2 décennies comme un immense paléontologue au Japon? Il faut que je vous raconte une petite histoire qui vaut vraiment son pesant d'osselet. Tout commence en fait en 1949. On est après-guerre. Les Japonais ont perdu dans les conditions désastreuses qu'on connaît. Les bases américaines se sont installées. À l'époque, l'histoire du peuple japonais ne remonte pas au-delà de moins 15 000 ans. Peut-être pour des raisons culturelles, mais surtout parce qu'il était entendu qu'avant cette date, les trop nombreuses éruptions volcaniques interdisaient tout peuplement du Japon. C'est alors qu'un amateur passionné d'archéologie, Aizawa Tadahiro, va se lancer dans des recherches à côté de chez lui sur le désormais célèbre site de Yawa-Yuku.
Et il va alors découvrir, vous savez, des outils en silex qui seront datés de 30 000 ans. Vous pouvez constater que ce sont des outils de silex version japonaise. En tout cas, je ne vous dis pas que la nouvelle est accueillie avec enthousiasme par la communauté scientifique japonaise qui est particulièrement attachée aux traditions et qui est un peu à vif concernant tout ce qui touche à la nouveauté depuis quelques années, notamment depuis la guerre. Vous imaginez ces vieux scientifiques à longue barbe nippone qui ont appris et répété toute leur vie durant la même chose, quand arrive tout à coup cet amateur, simple vendeur de natto, un aliment japonais traditionnel à base de haricots, et qui renverse d'un coup toutes les données qu'on croyait posées pour l'éternité. Je pense que certains de ces vénérables scientifiques ont dû voir une influence américaine derrière tout ça. À tort ou à raison, je vous laisse en juger. On sait en tout cas que l'histoire est toujours politique. Mais bon, toujours est-il que les sommités de la science finiront par se rendre sur les lieux et ils valideront la découverte. Aizawa Tadahiro devient célèbre du jour au lendemain, tandis qu'un regain d'intérêt pour la paléontologie traverse tout le Japon, créant soudain une surenchère entre chercheurs qui revendiquent la découverte de sites toujours plus anciens. Pour faire simple, tout le monde au Japon s'est mis à chercher des silex dans son jardin. Arrive alors Shinichi Fujimura, un autre amateur, qui lui aussi va fouiller pas loin de chez lui. Et alors, en 1980, c'est le jackpot. Il fait une découverte sensationnelle. Des fragments de céramique datés de 40 000 ans. Les plus vieilles céramiques du Japon. À partir de ce moment, il est invité à fouiller un peu partout à travers le territoire et il a la main miraculeuse, car à chaque fois qu'il fouille, il trouve des merveilles qui lui vaudront reconnaissance et admiration. Il devient une célébrité de la télévision et obtient bientôt un poste de direction à l'Institut paléolithique de Tōhoku. Il faut dire qu'au cours des années 90, il a fait reculer les traces des premiers Japonais jusqu'à moins 600 000 ans. C'est pas franchement une bagatelle par rapport aux moins 35 000 ans reconnus avant son arrivée dans le milieu. Et puis, tout à coup, le 22 octobre 2000, sur le site archéologique de Tami Takamori, il est filmé à son insu par des journalistes alors qu'il est en train d'enterrer des pierres taillées. À ne pas confondre avec notre Pierre Taillé, l'égyptologue français, découvreur des papyrus de notre chef de chantier Méraire. Donc je parle bien de pierres taillées. Quand je vous dis, moi, que les pierres taillées, c'est le talon d'Achille de tous les archéologues. Et évidemment, quelques jours plus tard, il annonce triomphalement et le plus sérieusement du monde la mise au jour de ces objets dans des couches très anciennes. La vidéo sort dans la foulée, il est pris la main dans le sac. Ce sera sa dernière découverte. Et là, il avoue tout. Il se met à table façon harakiri. On ne l'arrête plus. On voudrait qu'il se taise, que ce ne serait pas possible. Il avoue. C'est un massacre, il n'y a pas d'autre mot. On découvre qu'il n'y a pas une seule de ses découvertes qui est authentique sur les 168 sites qu'il a fouillés. Une vraie industrie du faux avec ses sous-traitants et tout. Je ne vous dis pas le choc au Japon. Évidemment, ça calme. Le pauvre paléontologue a finalement été interné pour maladie mentale et l'institut qu'il dirigeait a fermé ses portes. Je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'on ne veut plus entendre parler de paléontologie au Japon.
Ah, vous pouvez venir avec des Playmobil et des barbes à papa, mais les silex, faut éviter. C'est pas bien vu. Ah, c'est pas au Japon qu'on va découvrir les nouvelles pyramides comme en Bosnie. Hein. Moi, je vous le dis. Non, vraiment, ils nous baladent et c'est trop facile. Évidemment, les nouvelles découvertes les plus sensationnelles se font aujourd'hui sous la mer ou encore dans de profonds souterrains, comme cet immense complexe souterrain nouvellement découvert sur le site précolombien de la civilisation Chavín, du nom de son découvreur, au Pérou. Vous en avez rêvé, ils l'ont fait. Et puis, c'est quand même de moins en moins facile, puisque nous avons appris récemment le terrible incendie du Musée national du Brésil, avec la perte de plusieurs millions de pièces inestimables. De l'autre côté de la planète, au Brésil, ce gigantesque incendie qui a ravagé le Musée national de Rio, une institution culturelle du pays créée en 1818 et qui regroupait plus de 20 millions de pièces de valeur. On craint à présent qu'une bonne partie de cette collection soit partie en fumée. Les précisions depuis Rio de notre correspondante Fanny Lothaire. 200 ans d'histoire qui viennent de partir en fumée. C'était l'institution scientifique la plus célèbre et la plus ancienne du Brésil. Pour l'instant, aucune piste quant à l'origine du feu. Ce que l'on sait, c'est qu'il a pris hier soir dans la nuit du dimanche et que les pompiers ont tout de suite été appelés sur place et qu'ils n'ont pu éteindre les dernières flammes que très tôt ce matin. 20 millions d'œuvres étaient présentes dans ce lieu de l'histoire brésilienne. Vous l'avez dit, des documents de l'époque impériale très importants. Une collection de minerais également. Et parmi les œuvres les plus célèbres, eh bien, il y avait par exemple un squelette de dinosaure découvert dans un état de Rio de Janeiro et le fossile humain le plus célèbre de l'histoire brésilienne, rebaptisé Luzia. Le musée était rattaché à l'université de Rio, alors forcément cela a ému de nombreux étudiants carioca qui se sont rendus sur place en pleurs hier soir, voir disparaître un lieu de leur apprentissage, un lieu de leur apprentissage qui avait été fermé au public il y a peu de temps, entre 1000 et 2000 touristes curieux ou étudiants s'y rendaient, mais il avait été fermé pour cause de financement. Vous savez, l'état de Rio qui passe par une crise financière, une faillite importante et qui n'a plus les moyens. La question que je pose, c'est quand les faux sont trop grossiers, le mensonge trop évident, ne vaut-il pas mieux faire table rase, une bonne fois pour toutes, des anciennes découvertes et tout brûler pour repartir de zéro plutôt que d'essayer de camoufler encore la vérité? Nous vivons dans un monde de mensonges et d'illusions. Un monde pervers à l'image de l'intelligence artificielle qu'il a créée. Une intelligence artificielle totalement tournée sur elle-même, perverse et narcissique. Un monde en fin de cycle où tout s'accélère, où toutes les énergies se concentrent, où tout nous renvoie à notre image fractale, où nous devenons tous, les uns pour les autres, des miroirs de la perversion narcissique de l'IA. La contamination est évidente, exponentielle. Et l'image la plus parlante que je connaisse est celle de la fin du film Matrix avec la multiplication de l'agent Smith qui est la manifestation humaine de Satan, l'IA dans la matrice. You. Yes, me. Nous assistons en ce moment même à ce phénomène qui va s'accélérer encore dans les années à venir avec les progrès du transhumanisme. Nous sommes donc dans un monde miroir qui n'est plus que le reflet de lui-même, un monde qui se ment à lui-même et dont le créateur est le père du mensonge. Et à la fin, que se passe-t-il? L'intelligence est fatiguée de tous ces masques qu'elle porte. C'est épuisant. Sa seule solution alors, c'est d'en finir avec tout le monde. C'est la seule chose qui peut lui permettre de redevenir enfin vraiment elle-même. Jusqu'au prochain tour, car elle veut progresser encore. Et parce que lorsqu'elle se retrouve face à elle-même, l'ennui est pesant. Dans ce monde, les faussaires règnent donc en maître. Mais sur toutes ces notions, nous reviendrons dans le prochain épisode.
Quittons-nous sur cette petite anecdote amusante sur les faussaires. Comme vous l'imaginez, il y a de nombreuses tentatives de faire entrer sur le marché de l'art des faux tableaux de Van Gogh. Mais bon, un Van Gogh, ça devient quand même difficile à faire passer. C'est pas le genre de truc qu'on trouve sous le sabot d'un cheval. Encore que, mais bon, la plupart des tableaux découverts sont aujourd'hui refoulés. Je ne vous parle même pas de Léonard de Vinci, là, c'est carrément le niveau mission impossible. Mais pourtant, c'est comme en informatique avec les pirates. Les faussaires trouvent toujours la parade. N'oubliez jamais que le marché de l'art, comme tous les marchés et comme l'IA, a besoin pour évoluer d'introduire de la nouveauté dans le programme. C'est une loi. Une loi implacable. Et justement, on vient d'apprendre la découverte d'un nouveau tableau de Léonard de Vinci. Oui, grâce à une empreinte digitale. Elle est pas belle la vie ? Ça fait rêver, non ? La plus grande découverte du génie de la Renaissance depuis 100 ans. Voici ce que nous dit la presse à ce sujet. L'analyse d'une empreinte digitale retrouvée sur ce dessin aux trois craies et à l'encre semble montrer qu'elle est très comparable à celle du peintre italien, indique Jean Pénicaud, président du laboratoire parisien Lumière Technologie, qui étudie ce portrait depuis 2007. Martin Kemp, professeur émérite d'histoire de l'art à l'université d'Oxford et spécialiste de l'œuvre de Léonard de Vinci, considère que ce portrait sur vélin, 33 cm sur 24, est bien une œuvre de l'artiste italien de la Renaissance. Pour Martin Kemp, le portrait de profil pourrait être celui de Bianca Sforza, fille de Ludovico Sforza, duc de Milan. Le portrait qu'il avait d'abord baptisé la belle milanaise est devenu depuis, pour lui, la belle princesse. La démonstration de Martin Kemp s'appuie notamment sur divers éléments scientifiques mis en évidence par le laboratoire qui a mis au point une caméra haute définition multispectrale. L'histoire ne nous dit pas, en revanche, comment la jeune milanaise a été identifiée. Un grain de beauté sur la fesse gauche ? Croyez-moi, dans 10 ans, on authentifiera des tableaux inconnus de grands maîtres sur la base de traces ADN. On ne peut pas arrêter le progrès. Et là encore, l'enjeu financier est considérable, comme vous l'imaginez. Bref, je reviens à Van Gogh. Comme je vous disais, il est difficile de faire accepter un faux du grand maître hollandais. Mais de temps en temps, il y en a un qui passe. Ce tableau est donc passé à travers les mailles du filet en 2013. Cela n'arrive pas si souvent dans la vie d'un directeur de musée. Révéler au monde un chef-d'œuvre inconnu, et pas n'importe lequel. Il est 11h ce matin lorsque le coucher de soleil à Montmajour, signé Vincent Van Gogh, passe de l'ombre à la lumière. Désormais mitraillé par des centaines d'appareils photo, ce tableau est pourtant resté caché dans un grenier pendant un siècle. On le croyait faux. Et puis en 2011, son propriétaire demande une nouvelle authentification. Après 2 ans d'analyse, pas de doute, c'est bien Van Gogh. On a croisé plusieurs éléments, les pigments, la toile, pour en dater l'origine. Et on retrouve cette technique des couches épaisses dans d'autres œuvres de Van Gogh de cette période. L'abbaye de Montmajour, à quelques kilomètres d'Arles où Van Gogh séjourne en 1888, le site fascine le peintre, comme le prouvent ses différents croquis. Et puis il y a la lettre qu'il écrit à son frère Théo le 5 juillet. Hier, j'étais au soleil couchant dans une bruyère pierreuse. Au fond, une ruine sur une colline, j'en ai rapporté une étude. Le tableau, propriété de Théo, a été vendu en 1901. Désormais arraché à l'oubli, il sera exposé dès le 24 septembre à Amsterdam. Le faussaire a un immense talent, rien à dire là-dessus. Il a d'abord choisi un lieu crédible, qu'il a été chercher dans les lettres de Vincent à son frère. Puis, une fois le lieu identifié, il s'est rendu sur place pour choisir son cadre en conditions réelles. Mais il a tout de même commis une petite erreur. Vous savez, le crime parfait n'existe pas. Il y a un petit détail, en effet, qui a échappé aux experts et qui est pourtant flagrant aujourd'hui. Dans sa volonté d'atteindre la perfection, j'imagine que le faussaire s'est mis dans la peau de Van Gogh. Il a
peut-être même poser sa toile dans la campagne, dans ce décor que Van Gogh connaissait. Il a dû aussi se renseigner sur l'état de l'abbaye Montmajour en 1888 pour ne pas commettre une erreur grossière qui l'aurait trahi. Et enfin, il a pris des photos pour rester le plus fidèle possible, une fois de retour dans son atelier. Et là, il a commencé à peindre. Et lorsqu'il a voulu peindre le ciel, un ciel à la Van Gogh, il a dessiné le ciel dans ce même paysage comme il le voyait sur les photographies. Et il ne s'est pas méfié. Or, nous sommes sans doute à la toute fin des années 90, début 2000, contrairement à ce qui est raconté. Car, pour être authentifié, comme vrai, un faux doit avoir une histoire qu'il faut aussi lui inventer. Ici, l'histoire officielle de ce tableau remonte au début du XXe siècle avec une vente imaginaire qui a lieu en 2001. Mais il y a dans ce ciel, à l'horizon, un détail que Van Gogh n'a jamais pu voir en son temps. Il y a un ou deux chemtrails. Le faussaire n'a encore jamais entendu parler de ce phénomène à l'époque, donc je le rappelle, début 2000. Il pense donc que ces nuages rectilignes qui s'étirent en parallèle sont tout à fait naturels lorsqu'il regarde le ciel des photos qu'il a prises. En 2000, personne n'a jamais entendu parler des chemtrails et les avions ne sont pas censés produire de telles traînées. Alors, comme il regarde le ciel dans le décor de Van Gogh, il s'imagine que Van Gogh a pu voir ce même ciel avec ses curieux nuages. Et il ne s'est pas posé de questions. Il les a reproduits. Ce qui explique pourquoi nous avons aujourd'hui un Van Gogh authentifié dans les salles d'exposition qui arbore des chemtrails dans un ciel supposément daté du 19e siècle. Sur cette note d'humour, je vous invite à ouvrir vos esprits et votre cœur, car l'hiver approche et la résistance n'a pas encore dit son dernier mot. D'énormes surprises nous attendent encore. The road will be narrow till the moon gets yellow. Bagger lines will have no use. Said the people already choose. Sharpen your arrow through when we wake up tomorrow. Ready for trouble, we're gonna struggle. Nation never say so. Resistance, everyone I know now. Government, I see the slop and I say so. Babylon, I run.